vous aimez tous les Skibidi-Toulettes, n'est-ce pas les amis? Eh ben que diriez-vous d'exploser la tronche au titan maléfique de Skibidi-Toulettes? Bon, je dis titan maléfique, mais ils sont quand même de notre côté. Mais il faut un petit peu trop le malin ces titans. Aujourd'hui, on va surtout parler du titan TV Man amélioré, mon gars. Celui qui fait un peu trop le malin avec ses pic-pic là sur les épaules. On va te défoncer la tronche avec toutes ces voitures de la Muerto. Bref, j'espère que vous êtes prêts. On est parti pour continuer cette petite série voiture VS Skibidi-Toulettes. Sauf que cette fois-ci, ça va être le titan TV Man upgraded. On est parti les amis, le titan TV Man amélioré, accompagné de son cher compatriote le Speaker Man et le titan Cameraman. Bien évidemment, on va les défoncer mon gars, mais pas avec n'importe quoi, avec plein de voitures comme ceci, plein de voitures, plein de camions, plein de tout en fait, même des hélicos, regardez, il y a même des hélicos. Et on va commencer directement avec le camion WhatsApp Man, le petit camion WhatsApp Man, on va essayer de le défoncer, ce titan TV Man amélioré, let's go! Wesh! Mais wesh! Il nous a défoncé! On n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit! On s'est fait défoncer! Comme si on était une petite cacahuète et qu'il nous avait mis une pichenette. Mais c'est n'importe quoi, les amis! Bon, on enchaîne directement avec cette voiture. Ah, laisse-nous tranquille! Dans les bijoux de famille! Oh! On était à deux doigts de lui défoncer ses bijoux de famille. Heureusement, le petit Titan Speakerman amélioré. Il a eu de la chance, il a vraiment eu de la chance. Mais on ne va pas se laisser avoir les amis, parce qu'on veut utiliser directement et bah ce camion de pompier mon gars, avec sa lance comme si c'était un gros zay-zay. Et on va défoncer le titan. Non mais c'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie. Tu peux quand même nous laisser avancer non? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bon on essaie de défoncer. Oui alors écoute, on va utiliser un double bus mon gars, le bus de Londres. Mais non, mais laisse-nous tranquille. Et de toute façon, c'est les trois titans, ils ont des rayons laser à la place du cœur, comme Iron Man, mon gars. On va même pas pouvoir avancer, là. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Let's go. Voilà. Oh. Eh, on l'a transpercé. Eh, quand même, on l'a transpercé, les amis. Franchement, on a fait quand même du bon boulot, mon gars. On l'a complètement transpercé. C'est ça qu'il faut, mon gars. C'est ça qu'il faut. Et tu sais quoi? On va passer à l'étape supérieure parce qu'on veut utiliser... Et bien évidemment, le tank de la Muerto. Enfin, je sais pas si c'est un tank. Ouais, je pense que c'est un tank. En tout cas, ça fait partie du militaire. Et qui dit militaire dit explosion. Et qui dit explosion dit ceci, mon gars. Bam! Voilà! Oh, comment on l'a transpercé. Oh, attends. On va toucher le... Oh! Mon gars, on a aussi défoncé le titan caméraman en prime. Eh, franchement... Deux pour le prix d'un, ça fait plaisir. Oh, le camion Netflix. Le camion Netflix, c'est ce que je regarde tous les jours, les amis. Je regarde tous les jours Netflix, le soir, posé dans mon lit. Non! Mais qu'est-ce que tu fais de mes séries? Oh, on peut quand même avancer. Ouais, let's go. Mais mec. Mais regardez, mais il nous laisse aucun répit, frère. Tu nous as défoncé notre coque, et après tu nous défonces notre camion. Et en plus de ça, tu utilises des rayons laser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Police nationale! Vos papiers, s'il vous plaît! Donnez-moi votre carte d'identité! Let's go! Et mais c'est moi ou le truc du Speakerman, ça fait rien? Voilà! Mais mec, on a fait zéro dégâts là, la police! Non, mais la police! Non, je suis désolé, ça c'est pas du bon boulot. C'est. Mais elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait, la police? Mais la police! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, les amis, la police, je suis très déçu de vous. Normalement, c'est vous qui faites régner l'ordre, qui faites régner la loi, les amis! Mais là, je suis très déçu. Vous avez même pas touché le Titan Speakerman. Vous avez rien fait. Voilà, par contre, ça va faire mal. Oh, voilà, mon gars. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, on est un peu bloqué là. On est un peu bloqué. Et je pense que, ouais, on va se prendre un coup de machette comme ça là. Ça fait mal à la caboche. Ça fait mal à la caboche, je vais pas vous mentir. Bon, les amis. Quand il y a une voiture qui marche pas, ou quand il y a deux voitures qui marchent pas, eh ben vous utilisez un camion qui transporte quatre voitures. Mais laisse-nous tranquille. Mais on a même pas avancé. On a avancé de 2 cm et le frérot il nous a fait exploser la tronche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck man? Il nous a même pas laissé quoi que ce soit. Non c'est abusé. Franchement c'est abusé. C'est une dinguerie. Oh c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce camion? Attends il transporte quoi derrière? Ah, je crois que c'est du bois non? Attends je sais pas ce qu'il y a derrière mais je pense que c'est explosif. Attention. Oh c'était explosif. Oh. Attends regardez. Le Titan Speakerman, on l'a défoncé. Oh, les vendeurs de hot dog. Je pensais que c'était un vendeur de tacos. Non, non. Mais le vendeur de hot dog, c'est bon le hot dog. Pourquoi il veut pas le Titan Cameraman, le Titan TV Man amélioré? Franchement, le Titan TV Man upgraded, c'est abusé. Il est vraiment pas gentil. C'est une dinguerie, les amis. Franchement, il est pas cool. Non, on est cool avec lui. Attends. Ok, ça va. Non, putain, mais je pensais qu'il allait pas l'utiliser. Mais on se fait défoncer, les amis. C'est une dinguerie. On se fait défoncer. Non? Qu'est-ce qui se passe?
Wesh, ah ouais, d'accord, t'es pas... Non, mais tu sais combien ça m'a coûté tout ça? Ça m'a coûté un bras, frérot, ça m'a coûté même un zézé. Mais il me le défonce. Mais en fait, le frérot, c'est quoi son problème? Là, son but, c'est de défoncer absolument tout ce que j'ai, en fait. C'est une dinguerie. Le frérot, il me défonce tout ce que j'ai. Je peux même pas avancer une seconde. Non, mais toi, ça sert à rien, hein. Tes rayons laser, ça fonctionne pas du tout, hein. Non, mais regarde, ça... Ok, bon, ça, quand même, ça défonce. Eh, on était à ça de toucher les bijoux de famille. On l'a pas touché, les bijoux de famille. On est quand même gentil, mais fais attention à toi, Titan Speakerman. Tu ne perds rien pour attendre. Et d'ailleurs, attends. Oh, non, je pensais qu'on allait défoncer Titan Speakerman. On va défoncer le Titan Speakerman avant, les amis. Let's go. Oh, wesh. Wesh. Mais mon gars, on s'est fait... Comme si on était un moustique qui venait faire zzz, comme ça, et là, t'arrives, tu es bam. Comme si on était un vulgaire moustique pendant l'été qui casse les bonbons à tout le monde, là. C'est exactement pareil, c'est une dinguerie. Wesh. C'est quoi ça, mon gars? Non, mais c'est des roues plus gros que mon avenir, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des roues plus gros que la planète Terre? What the hell, bro? Qu'est-ce que c'est que ces roues, là? Let's go. Oh. Mais mec, on a fait zéro dégâts. Mais mec. Mais non, mais c'est une dinguerie. On a fait zéro dégâts. Mon gars, on a fait zéro dégâts. On a une voiture de Neuil comme ça, et on a fait zéro. Et mais attends, en plus, la voiture a été... Enfin, c'est même pas une voiture. Mais regardez, ils s'en bat les steaks. Non, c'est fou, c'est fou. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est fou. T'es fou, même. Non. On utilise plein d'argent et ils nous défendent. Oui. Oh, la vitesse, mon gars. Attends, mais je pensais pas du tout que ça allait aussi vite. Oh, punaise, j'allais dire, on dépense au taquet d'argent pour que les voitures, ça fasse aucun dégât et qu'on se fasse défoncer. Mais pas du tout. On l'a défoncé, mon gars. Je pensais pas du tout qu'il allait faire autant de dégâts. Oh, c'est quoi ça? Non, 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 non. Et... Oh, t'arrives à esquiver? Mais ouais, mais si tu vas pas plus vite, frérot. Non, mais t'es aussi lent qu'un escargot, c'est une dinguerie, ça. Le frérot, il est super lent. Non, c'est fou, c'est fou. C'est fou, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce véhicule de la moto, là? C'est un véhicule de zinzin, ça. C'est quoi ce véhicule de zinzin de l'espace? Oh! Il nous a défoncé, mais je crois... Oh, regardez! On lui a troué le kiki, je crois. Attends. Il lui a troué le kiki? Attends, je crois que le titan... Oh, oh, oh! Alors là, les amis, on rigole plus, là. Ratatatata! Alors là, les amis, on ne rigole plus du tout. Abusé, mon gars. Bam, 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 bam! Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, bon, on envoie quand même des missiles, mais j'ai l'impression que ça fait aucun dégât. Oh! Non! On s'est fait défendre. On était à ça de le toucher, hein, quand même. Non, mais ça sert à rien. Arrête, arrête, arrête avec tes petites pichenettes que t'envoies là. C'est comme si tu me faisais ça là sur mon visage. Ça fait rien, frère. Ça fait rien du tout. Oh! Le bus scolaire, les amis. Ah oui, d'accord. Et même s'il y avait des étudiants dedans, des gens comme vous et moi qui. Enfin, non, moi je vais plus à l'école, mais tous ceux qui regardent qui vont à l'école là. Ça se trouve, c'était vous dans le bus, hein. On ne sait pas. Le smile est mort de rire. Ah! Débarre, frérot, débarre. Les amis, ne sous-estimez jamais le véhicule mort de rire. Parce que là, mon gars, ça fait des dégâts. Voilà. Alors là, mon gars, à chaque fois, lui, il nous déçoit pas. Lui, les amis, lui, c'est une valeur sûre. Lui, il faut l'écouter, les amis, parce que lui, il est super fort. Oh, le camion Discord. D'ailleurs, en parlant de Discord, les amis, rejoignez mon serveur Discord. On est plein, plein. Ah, mais j'étais en train de parler mon serveur Discord pendant 2 secondes et il m'a défoncé mon camion Discord. Tu sais combien ça m'a coûté, ça? Écoute. Pour avancer, je sais pas quoi dire. Non, j'allais dire on va utiliser le tractopel. Non, avance. Avance, frérot, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire, mon petit kiki. Avance, allez. Le tractopel de la moto pour nous faire pardonner. Let's go. Oh, oh. Oh, mon gars. Oh, oh. On l'a fait défoncer. On l'a défoncé au taquet, là. On l'a complètement défoncé, là. Le char d'assaut, les amis. Alors là. Alors là, ça va faire des dégâts, mon gars. Alors là, c'est parti, let's go. Attention, attention, le tank de la moto, voilà. Alors ça, mon gars, mais en même temps, ça pèse 10 tonnes, mon gars. Ça pèse 10 tonnes, c'était sûr et certain qu'on allait le défoncer. Mais non, mais laisse-nous tranquille. Mais non, c'est fou, c'est fou. Et par contre, on est d'accord qu'on leur a fait aucun dégât, là. C'est une dinguerie. Eh ben écoutez, les amis, on va utiliser le camion militaire de la moto. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un camion militaire, ok? Ce qui rime avec militaire, ça rime avec explosion. Et là, mon gars, on va le défoncer. Attention! Non! Mais même le militaire, il s'en fiche. Que ce soit la police, que ce soit l'armée, que ce soit tout. Regardez, ils s'en battent les steaks. Les 3 titans, là, ils en ont rien à péter. Ils savent qu'ils sont 3 contre moi. Non, c'est fou. Et voilà. Et les amis, ils ont gagné, malheureusement. Je ne peux rien faire contre eux, malheureusement.
Bon mais les amis, malheureusement, la mission a été perdue. C'est beaucoup trop compliqué de les défoncer. En même temps, déjà, ils sont 3 contre 1, hein, déjà, donc c'est beaucoup plus compliqué que s'il y avait juste le Titan Timiman amélioré. Mais le Titan Timiman amélioré, il a ramené tous ses potes, là, ses deux potes, parce qu'il avait peur de moi. En 1v1, il avait peur. Mais au moins, eh ben, j'aurais quand même essayé. Bref, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Lâche ton petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube. Il faut absolument qu'on arrive directement aux 100 000 abonnés. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, les amis. C'était Wissam, gros bisous à la prochaine. Ciao, ciao.